Ça n'a pas arrivé. Il y a des contextes où parfois, bon, euh, ben, c'est comme si quelque chose vous arrive, vous êtes un peu encore Le stress arrive, après, vous oubliez. Maintenant, le premier réflexe que vous avez, c'est de dire suivons ce reportage. Parce que ça, tu n'as pas inventé, généralement, c'est quand c'est pratique. La première chaîne éducative du Congo devrait servir de modèle. C'est ainsi que pour ce cinquième jour, les agents de EALTV face à Jean Bataladjo en plancher sur l'écriture d'un papier journalistique. Le papier vient appuyer la tête. Puisque si on parle d'introduction, ça veut dire qu'il y a un développement, non Donc ça veut dire qu'en réalité c'est un tout. Mais bon, dans le langage journalistique, dans le jargon général, on parle de papier, donc l'article. Mais en gros c'est un tout, il y a un lancement, il y a un, un développement. Et le développement, souvent, ce qu'on appelle papier. Mais enfin, en réalité, il faut que tu écrives et le lancement et le développement. Donc le papier. En journalisme, ce qui est recommandé, c'est la pyramide inversée, ou qu'on appelle également l'entonnoir inversé. L'entonnoir inversé. C'est une méthodologie journalistique qui consiste à commencer par ce qui est plus important pour terminer par les détails. La culture générale est un élément capital qui permet aux journalistes d'avoir la maîtrise du sujet. Débuté le 7 février 2023, ce renforcement des capacités des agents de EAD TV va baisser ses rideaux le 2 mars de l'année en cours.